Déjà, je peux vous assurer que l'équipe est sereine. Nous sommes en confiance. Vous-même l'avez vu la fois dernière. Nous avons remporté une belle victoire qui venait comme ça créer la sérénité au sein du groupe. Maintenant, il est question pour nous de nous focaliser afin d'enchaîner la victoire. Parce que vous le savez comme je le sais, nous avons enchaîné beaucoup, n'est-ce pas, de défaites. Aujourd'hui, il est question pour nous aussi de récupérer au maximum de points pour que dans les jours à venir, nous puissions faire la différence dans cette compétition. Et nous pensons humblement qu'à Magajou, nous la respectons comme club, comme équipe, mais il est important pour nous, n'est-ce pas, d'aller faire un grand résultat chez eux. Je pense que c'est la bienvenue pour nous, parce qu'il est aussi important qu'ils ne soient pas bien sur le plan mental. Et je pense qu'à cet effet, ça va nous faire du bien d'entrer dans la rencontre avec toutes les âmes qu'il nous en faut, afin qu'au sortir de là, comme je l'ai si bien dit, sortir de là avec une victoire, ou n'est-ce pas, on enchaînera deux belles victoires et ça nous fera énormément de bien. Donc c'est un peu ça. Nous disons humblement que nous la respectons, mais nous sommes à la quête des points, comme vous le savez, et je pense que voilà, c'est à ça que nous sommes là présentement. Détermination, être focalisé et surtout aller avec un esprit de conquérant, parce que il n'y a plus erreur pour nous sur déjà la 7e journée, je pense. Il n'y a plus erreur pour nous, n'est-ce pas, d'autant plus que nous sommes sortis de la zone rouge. Il est question pour nous de rassembler au maximum de points. Donc, plus d'erreurs, être focalisé et déterminé surtout. Et je pense que le reste, humblement, le Seigneur nous aidera. Oui, humblement, c'est le moment qu'à jamais. Je pense que nous avons été très ravis de voir la fois dernière que lors du match contre Marine, plusieurs supporters ont été au stade et ils nous ont vraiment poussé parce qu'on a joué ce match, c'était pour eux. Et maintenant pour les dirigeants, je pense humblement qu'au regard de tous les efforts qu'ils en font, ils méritent cette victoire. Ils méritent qu'on puisse aussi les donner beaucoup d'honneur et beaucoup de joie. Le dernier match, on a vu, n'est-ce pas, l'administration administrative être en joie, chose qui n'avait plus été pour longtemps pour ce club. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on peut leur donner humblement. Et on leur dit aussi merci pour tout le travail qu'ils font pour le club.